même moi pral di moun yo ki sa ki nan proposition CARICOM nan puisque gon date fatidique jodi a ki préoccupe l'esprit on paquet moun k'ap suivre évolution police grand dans pays à savoir le 7 février 2024 ki sa ki pral passer puisque selon dernier accord ki te signé ki c'est accord 21 décembre là donc signataire yo te entendre yo pour Ariel Henry passer Maët la baye un gouvernement légitime ou bien un président qui soutient dans élection à partir du 7 février 2024. Mais pour ça te refait, faut que tu gagnes élection qui t'est organisée dans fin année 2023. Donc nous sommes au mois de novembre, donc pas gagne aucun signe qui dit à bien élection et son bagage qui pratiquement impossible pour ne pas dire techniquement et politiquement impossible à un mois de la fin de l'année. Maintenant, pour mettre fin avec débat ça tout moun ta remè gagné on entente qui jouer mais avant date là malheureusement malgré tout pour parler qui t'ai gagné avant yo malheureusement malgré toute tentative qui t'ai faite avant yo pas rien qui sorti donc dans coup de 4 là j'aime dire tout à dans l'intervalle eh bien CARICOM soumet monsieur Damio en proposition li dit OK mais ça gardel et puis à partir duquel ti on bagaille document ça intitulé j'aime sorti tout à l'heure projet de cadre de transition du GPE pour Haïti. Comme nous-mêmes, nous pas qu'à décider pour tête nous. Comme nous-mêmes, nous pas qu'à entendre nous. Comme nous-mêmes, nous pas qu'à définir ça qui est bon pour nous. Donc, Blandi, toi, parle en pile. Il y a des seuls. Bon, mais ça me propose nous. Nadine, ça nous passe. Qui ça, d'entre Dieu, Blanc proposé? Blanc proposé, guerrier des seuls, yon exécutif, ça, c'est sous point gouvernance là. Yon exécutif bicéphale. Elle dit avec un premier ministre. Un premier ministre, mais attention, c'est pas avec un président. C'est pas un président. C'est ça le relais, on c'était. Conseil de transition. Qui ça, Blanc CARICOM, yon dit dans la proposition, yon a guerrier du seul. Mission conseil de transition, ça, c'était. C'est un organe qui pral gagner ça ou le pouvoir présidentiel. Mais attention, bon bagay qui a ajouté dans phrase ça. Pouvoir présidentiel dans la mesure où cela est possible. Ça veut dire que possibilité pour le pas possible. Dans la mesure où cela est possible. Donc, vous voulez souligner ça dans le document. Et puis avancer, vous dites, conformément à normes et puis esprit constitution, j'en ai indiqué dans un paragraphe qui vient après. Vous dites, organes agréés les conseils de transition la mettre en place son façon pour capable garantir équilibre pouvoir yo, et puis avec fonctionnaires yo dans exécutif là la bien pour garantir tout bonne gouvernance pendant la travail en parfaite collaboration avec premier ministre et puis conseil des ministres pendant période transition pour assurer amélioration conditions socio-économiques population et puis bail sécurité ensemble avec services de base yo, protéger droit moun et puis faire promotion la loi avec responsabilité souvle réforme qui doit faire la question l'état et puis créer un environnement politique favorable qui capable permettre que organiser élection plus vite ou bien plus bonnet que possible. Comment c'était ça lui même l'a composé guerrier du seul? Il dit conseil de transition l'a composé de 7 moun. Cap gagnant secteur ça ou là-dedans. D'abord le secteur politique, a bien secteur privé des affaires, a bien secteur religieux, a bien société civile là. Secteur politique là selon proposition monsieur CARICOM yo, a bien 4 moun en dans conseil là. Secteur privé a bien yon moun, secteur religieux a yon moun et puis secteur société civile là si vous voulez yon. Qui vient faire que conseil de transition blanc proposé à guerrier, il y a bien 7 monde là-dedans. Donc nous sommes des paroles qui t'a parlé, possibilité pour élargir le haut conseil de la transition, ça n'y a là qui est à CTA, et il y a monde qui t'a parlé de 5, etc. Permettre que de l'autre mob qui rejoignent Mirland Maniga, Pasteur Calix Péridor, et puis Laurent Saint-Cyr, eh bien, n'a pas CARICOM, il y a parlé de 7 monde. Qui ça? Il va gagner comme attribution mais comme pouvoir mais qui ça blandit conseil de transition hein j'en te dis tout à l'heure
l'a gagné un pouvoir présidentiel dans la mesure que c'est possible, vous comprenez? Et puis l'a gagné pour assurer, j'en te dis tout à l'heure, existence en exécutif bicéphale, vous comprenez? Conformément à normes et puis esprit constitution, hein? Et pouvoir exécutif à bien là-dedans. D'abord, contre-signé avec mon gouvernement, arrêté, décret, ensemble avec l'ordre du jour conseil des ministres, nommé au conseil électoral provisoire dans l'esprit article 289 constitution et puis fixer date élection sous base on avis technique CEPA qui pral gagner par la suite pour publier dans journal officiel pays à le moniteur la bien pour présider conseil national de sécurité alors structure ça puis devant on va l'expliquer moun yo qui ça lié et bien dans pouvoir ou bien dans attribution et CTA conseil de transition ça l'a bien pour le présider conseil national de sécurité l'a bien pour retourner sur ça et en collaboration avec premier ministre CTA bien pour définir et puis établir un gouvernement d'entente nationale qui pral mettre accent sur inclusion et qui pral fait tout sous base sélection série de monde qui intègre qui expérimenté qui compétent dans domaine technique portefeuille et qui pral prend en compte tout égalité femme garçon avait dit un bagaille et pile garçon là et puis ça va gagner pièce femme dans équipe là etc. L'autre élément comment conseil de transition ça va fonctionner selon proposition CARICOM là l'a fonctionner de manière collégiale et l'a bien en tête li un président et c'est reste membre qui va le désigner président ça l'a exercer sous voulez un contrôle sous domaine stratégique action prioritaire gouvernement transition tant que bonne gouvernance rétablir sécurité faire élection libre équitable inclusive question aide humanitaire relancer économie pays réforme constitutionnelle et institutionnelle dans proposition CARICOM non yo prévoit tout même genre avec accord qui passé notamment accord 21 décembre même leur pas jam mettre en place un organisme de contrôle de l'action gouvernementale que relé OCAG qui sa mission la pied guerrier du seul objectif OCAG là c'est garantie règles et procédures administratives garantie que y a appliqué dans toute intégralité yo. Et puis faut que organisme tous les garanties a gagné en transparence dans décision qu'a prend yo dans action gouvernement a gagné pour le poser et surveillance ça que au cap gagné pour le faire sous activité gouvernement c'est quand même une certaine contribution si nous quoi document qui en bas j'aime dans là à question bonne gouvernance et puis à question responsabilité que chef gagné dans pays comment l'a composé qui est cap dans organisa guerrier du seul l'a bien 15 représentants organisation de la société civile, association socio-professionnelle, association régionale représentative de la société haïtienne qui a bien là dans le FAM et puis jeunes en particulier et tout monde on a parlé là c'est CTA qui va le nommer ça relé le conseil de la transition. Et comment organe ça a fonctionné au CAGLA l'a administré par un comité de 5 monde et c'est reste membre reste membre qui a gagné pour choisir pour déterminer si vous voulez et qui est cap dans comité ça et puis c'est membre tout qui a déterminé comment réunion a fait et qui sa modalité à pied qui sa procédure de travail à pied ça c'est pour le conseil de la transition et l'organisme de contrôle de l'action gouvernementale qui est au CAGLA maintenant qui ça qui dit pour gouvernement d'entente nationale que nous avons évoqué tout à l'heure. Et bien, dans le document Mariani, hein? Mon Dieu, oh mon Dieu, qui me dit Mariani. Ah, oh de Mariani. CARICOM. Dans le document CARICOM, dans le guerrier, il dit Premier ministre, là, Conseil de transition, avec monde qui était signé encore 21 décembre. Moun ki te signé déclaration conjointe de Kingston yo ensemble avec acteur dans société civile là yo pral gagne pour travail conjointement pour travailler dans tête collée tête ensemble pour mettre en place un nouveau gouvernement de transition
entente nationale qui a mis l'accent jeune de dire puis sur inclusion. Eh bien, comment vous allez choisir mon mais qui sa critère de sélection doyé d'abord faut que mon y a choisi vous faire partie du gouvernement d'entente nationale, ça c'est des monde qui intègre, c'est des monde qui expérimenté et c'est des monde tout qui compétent dans domaine technique portefeuille a et y a toujours tenu compte de parité entre garçons avec femmes. Même quand yo di guerrier de seul. Yo di premier ministre dans monter gouvernement, li gen droit à 40% nomination ministérielle. Ça veut dire mon gars premier ministre là, vous comprenez? Dans nomination n'a parlé là dans nouveau ministre qui va entrer dans gouvernement, li gen droit à 40% portefeuille ministériel. Ça veut dire que 40% dans ministère, c'est le premier ministre seulement qui a décidé qui est ce gars là, qui est-ce qui pas ca là. Maintenant, quelle sera la mission de ce gouvernement d'entente nationale, si nous avons une proposition carrée comme ça. Priorité gouvernement, c'est d'abord garantir sécurité citoyen, et puis soutenir déploiement mission multinationale soutien à la sécurité, créer un environnement propice pour capable gagner élection en d'un pays. Et on dit qu'il y a une attention particulière qui pourrait accorder, si vous voulez, à bien-être socio-économique et population. Et puis permettre que gagner des services de base, services sociaux de base notamment qui fournit. Et puis question aide humanitaire là, tout jeune dit tout à fonctionnement institution en d'un pays, surtout institution qui chargée, eh bien pour faire respecter loi, promotion droit monde. Et puis on attention tout pour on série de jeunes garçons, jeunes femmes en d'un pays que vous dit qui représente avenir en pays et je dis à là qui constitué selon document et CARICOM nan en proportion très élevée dans la population et ses principales sources souvle côté moun yo décider nan choix fè yo pour aller nan question gang. Premier ministre nan, conseil transition, conseil ministériel, y a bien pour travail en collaboration. Konya kan est-il du calendrier pour faire tout ça yo? Et bien qui ça CARICOM dit gouvernement en tête nationale là t'a dû mettre en place 14 jours après yo fin reconfigurer conseil transition. Ça veut dire ça. Tout ça nous on t'a dit là, je t'a expliqué là sur question gouvernement tête nationale là, il a fait exactement 14 jours après yo fin reconfigurer conseil là. Bon, me dit reconfigurer et me répéter le tout parce que nous on au conseil là déjà. Oui. Donc reconfigurer veut dire ça. Est-ce que qu'on y a là dans trois moun ki là, yo va mettre quatre autres moun zo yo pour faire sept là ou bientôt trois moun sa wap, trois out, y a vin a sept nouveaux moun, pa ni pièce côté dans document. Yo mentionné ça. Mais ça que certain, yo juste parlé donc conseil de transition à vocation présidentielle. Qui ça document dit sous question processus électoral là? Hein? Bon, yo pas dit ça tout non. Yo pas dit c'est n'en parler ou bien si c'est côté à cette hier là toujours été. On conseille électoral provisoire, comment y a nommé yo et qui sa mission la pied. Conseil électoral provisoire, ça, c'est conseil transition en consultation avec premier ministre nan, qui a nommé li. Gili dwe gen pour plus petit trois femmes parmi neuf moun y a sélectionné yo, ensemble avec un représentant de la jeunesse et nan conseil ça. Conseil électoral là, bien pour objectif, c'est élaborer une feuille de route électorale cap détaillée pour capable organiser élection générale qui visait renouveler institution politique gouvernement qui sa attribution à bien c'est évaluer ressources humaines et matérielles qui disponible actuellement là dans bureau et CEPO soumettre par gouvernement un projet de décret électoral pour publication, publier un calendrier électoral, mettre en place bureau électoral départemental à communal, superviser inscription électeur, superviser campagne électorale et puis organiser élection générale pour capable organiser élection générale, il y a et puis garantir que élection ça y a libre, y a équitable, y a inclusive, gérer souvler toute indépendance opération électorale jusqu'à publication résultat. Maintenant processus d'identification nationale et il y a bien pour réorganiser processus d'identification si c'est nécessaire, il y a bien tout pour procéder à sa relais enregistrement et puis distribution de carte d'identité pour tout le monde qui sous liste électorale ça capable briller électeur et puis collaborer avec instance compétente là. Maintenant, tu as l'homme de parler d'un conseil de sécurité guerrier du seul qui prévoit un dans document et CARICOM là. Mais qu'en est-il? Sécurité nationale.
Eh bien, parti yo pral entendre guerrier pour nommer un conseil national de sécurité pour capable renforcer sécurité citoyen yo. Et il y a bien tout pour formuler un plan de sécurité nationale. Il y a bien pour préparer modalités de coopération en matière de sécurité dans ce qui concerne l'assistance internationale dans question sécurité pour police nationale d'Haïti ensemble avec suivi mise en œuvre résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies et puis créer un comité de coordination et surveillance pour surveiller eh bien comment mission multinationale de soutien à sécurité à sanre les MMS là li pral comporter li pral mener opération lio en dans pays pour question aide humanitaire nous t'a parlé d'aller guerrier du seul eh bien document CARICOM nan dit comme ça conseil transition gouvernement ak premier ministre en collaboration avec société civile là avec partenaires national régional ak international yo a préparé a développé et puis mettre en œuvre souvle des mécanismes de coordination pour capable faire face avec urgence qui gen pour à crise humanitaire ça qui a évolué en dans pays. Maintenant sur le plan économique, qui ça document prévoit? Document dit secteur privé, secteur privé des affaires là a bien pour préparer un plan économique détaillé de relance économique après consultation avec exécutif là et gouvernement pour aller pour le passer plan ça ou bien pour l'examiner pardon, pour l'examiner plan ça. Et pas moi même qui dit, c'est ça qui dit dans le document m'a partagé fait. Gain des plans urgents coutem, OK, que secteur privé n'a parlé là ensemble avec exécutif là pour gagner et bien pour mettre en place pour capable créer des emplois pour moun qui vulnérable. Vous comprenez? Et ça doit être fait dans un délai qui pas dépasser 3 mois. Qui ça qui dit pour réforme constitutionnelle là derrière de seul Grégory Lebain. Dans document CARICOM proposé acteur proposé protagoniste conseil de transition a gagné pour nommer une commission de réforme constitutionnelle et gagné vraiment une entente large, un consensus large dans mitan toute partie qui était préparée à discussion selon CARICOM sur le fait que constitution 1987 la mérité réforme pas d'être tenu compte bien entendu des aspects positifs et aspects négatifs qui est venu à partir de expérience et puis pratique qui fait par le passé ou bien depuis le n'a pas appliqué constitution ça dans pays là. Gagne vraiment un consensus sur ça donc tout le monde d'accord presque à l'unanimité gagne débat qui pour fait en dedans constitution hein, qui pour permettre que nous résoudre ensemble de problèmes notamment question nombre et séquençage élection à différents niveaux nécessité comme si pour harmoniser cycle politique là cycle électoral là et parti eux même entendre pour déterminer eh bien dans quel niveau réforme ça n'a pas parlé là et dans quel domaine eh bien constitution mérité réviser. Préparation aux conférences nationales, il y a des consultations politiques, publiques, qui visaient pour capable prendre point de vue et grand public là, et garder qui sa contribution au Takaye. Il y a organisé avant même de lancer le processus de révision constitutionnelle là, garder comment il y a le changement constitutionnel, etc. Bon, parce qu'il y a des travaux qui étaient faits sur ça déjà. Donc, travail président Jovenel Moïse n'a pas de temps de parler, il y a le combat de Jovenel, la question référendum, bon, il y a utilisé l'autre mot. Consultation populaire, etc. Ça qui nous est là. Donc, il va parler de conférence nationale. Mm-hmm. On prend des consultations publiques pour capable garder point de vue mounio et puis garder comment on est capable contribuer et dans la révision constitutionnelle là. Il a parlé tout de lancement processus réforme là et révision constitution là bien pour prendre en compte tout point de vue mounio et puis garder toute contribution consultation publique yo à quel niveau est capable utile. Nous sommes des députés tardifs des fonds barrés comme ça tout. L'élite dans le Parlement, qui était en commission, tout, qui était en travail sur question réforme constitutionnelle, là, etc. Je parle de réforme institutionnelle, ça ne m'a pas trop capitalisé sur lui, mais ça qui intéresse bien rien dans le document, c'est la période de transition. Parmi les signes majorité de documents, les signes tout ça qui a dit, les signes tout document, ça m'a appelé à la transition, vous commencez. Baron, vous comprenez, non? Tout ça n'a pas la vôtre de transition, non? Et tant à rien le faire. Il fait tant, là, on ne peut pas. Bon, ça va passer. Il est passé. Ok. La ronde d'observation. Avec dit, c'est des mouvements de mise en train, c'est chauffé. Ah, c'est ça, vous avez répondu à une question, ça n'a fait un bout. Une belle question, intelligent. Tu as dit, tout ça, on a parlé là, tout ça que tu as fait, depuis le Jovenel Moïse mourir, vous comprenez, et puis le docteur Ariel Henry arrivé dans tête pays, tout ça, tu as dit, cap fait, n'est cap gagoté, n'est cap riche, tout ça, tu as dit, selon le document, ça va vous une transition, non?
OK. Pour une transition. Donc ça veut dire qui ça? Si pour qu'on ait un accord qui signe, pour qu'on consensus là qui joigne dans mitan acteurs, Ariel a continué rester dans tête pays là. OK. Jou a compté et jour ti à quoi? Et laisse la transition commencer. Mais ça qui intéresse me guerrier dans document. Il y en a qui content là. C'est la période de transition. Durée transition guerrier du sud. On regarde qui ça blague comme il dit. Et bien blague comme il dit. Là on est compte de ampleur, à complexité, défi. OK pays a fait face ou pays a confronté pour capable ouais s'il ca retourner sur rail. Là on considère temps que ça prend effectivement pour permettre que pays a un bon souffle. Eh bien parti qui participe dans discussion guerrier du sud selon les personnalités de la CARICOM, yo mettait accent sur organisation élection comme une priorité depuis environnement lui-même ni favorable. Vous comprenez? Et ça va permettre au moins yo venir avec un gouvernement constitutionnel et puis ça va permettre que yo remette campé en série de institutions qui caduques. Donc CARICOM pas répondre question ça par exemple. Élection ça qui fondamentale pour retourner. Attendez bien oui. Élection ça qui fondamentale pour retourner pays à sous rail démocratique là qui l'elle doit faire. Yo dit comme ça, c'est l'environnement propice. Favorable, l'environnement propice. Mais dans combien de temps environnement favorable? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est deux ans et trois ans? T'as si pas ça t'avait dit que ça. On est qui t'a vu là, qui a géré pays, qui pas ta remet élection faite. Donc là toujours arrangé pour environnement pas jamais favorable. Par contre, vous comprenez? Yeah, yeah. Donc nèg la créer toutes conditions parce que environnement favorable nous supposer nous parler de ça ici déjà. D'abord, sur le plan politique, faut conditions réunies, sur le plan technique tout, faut conditions réunies, mais sur le plan sécuritaire et c'est déjà plus gros conditions d'après tout le monde. Ouais, pays ça sur route pour que sécurité dans pays là.